Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Table Quest. Ça fait deux mois qu'on attend et que vous attendez. Et ça y est, on est enfin là pour cette seconde soirée de JDR, Donjons et Dragons, Descente en Averne. La quête se poursuit avec nos aventuriers et un invité spécial que vous allez pouvoir découvrir au cours de cette émission. Avant de commencer, un grand merci, comme pour à l'épisode 1, à HyperX qui sponsorise, qui sont en partenariat avec nous pour Table Quest, ZQSDO Productions aussi, qui s'occupe de toute la prod et qui font un travail exceptionnel. Donc, un grand merci à HyperX. N'hésitez pas à checker directement dans le chat le lien pour aller sur le site de HyperX et voir leurs produits. C'est du très très bon. En tout cas, merci beaucoup. Voilà pour le côté remerciement sponsor. Pour ce qui est des mesures sanitaires, comme pour le premier épisode, tous les participants ont fait des tests Covid, etc. Il n'y a pas de problème, on est tous voilà, dans des conditions optimales pour pouvoir profiter du JDR au mieux, sans masque ni rien. Donc voilà, je pense qu'on va passer un très très bon moment. Mesdames et messieurs, je vais aller rejoindre les joueurs de ce pas et on va un petit peu prendre la température. Il y a eu un petit peu d'upgrade sur les tenues. Vous voyez, là, moi, je suis un petit peu plus en armure de cuir, voilà, je suis un petit peu plus équipé. Mais ma classe d'armure reste à 14, ce qui est un petit peu... La cape, par contre, c'est gênant. Mais bon, ça va le faire. Bonjour, comment ça va, messieurs? Non, bah, je sais pas, ça parle d'upgrade d'armure. Ouais, je regarde un peu. J'ai pas l'impression d'avoir subi la moindre upgrade de mon côté. Non, c'est pas terrible. C'est peut-être parce que tu m'as mis un trident dans l'épaule la dernière fois. Ah oui, d'accord, oui. Peut-être pour ça. Peut-être que tu t'es pris un trident parce que tu m'as légèrement poussé en haut des escaliers. Non. Mais ça, c'était pour le show. Non, mais bon, voilà, encore une fois, ça va être, je pense, une soirée... excellente. C'est-à-dire que t'as encore prévu de me pousser en haut de quelque part, c'est écoute, ça, non ou Écoute. Non, parce que bon, voilà, j'ai un peu mal pris, quoi. On va peut-être calmer le jeu. Ça risque de... Jeu de vilain, comme on dit. Il n'y a pas de problème, De toute façon, voilà, commençons avec des basses scènes. Oui, bien sûr. S'il te plaît, ne me pousse pas ce soir. Écoute, on fera attention. En tout cas, j'espère que t'es chaud, mon cher Eventis. Ouais, vraiment content de reprendre cette série et hâte de voir ce que ce deuxième épisode va donner. Tout à fait. J'ai sur mon côté mon cher Trauma qui incarne Trauma. Bonsoir mon cher Roublard, ravi de vous revoir. Ravi aussi, très très ravi de voir votre armure. Bon, votre armure c'est pareil, là, niveau upgrade d'armure, mais... c'est léger. C'était pas possible en ouais. fait. Tu es allé sur vestiaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, je pouvais pas la prendre sur moi. T'es chaud Trauma, t'es prêt pour cette aventure? Bouillant, je serai votre bouclier. Peut-être pas votre épée, car je sais pas la tenir, donc ça c'est compliqué. Faut travailler ça un peu, hein. Ouais, tu t'es entraîné un peu en off Oui, alors plutôt les dorsaux, comme certains personnages. Ils sont conséquents maintenant, ça va? C'est bien Trauma. Alors ils sont toujours c'est pas conséquents, trauma. Mais bon, c'est bien Trauma, hein, comme on dit. Hein. Hâte de voir ce que tu vas nous donner, mon cher Trauma. Mon cher Hook. Calme, enchanté. Ted, qui va salut, incarner Hook. Comment t'y vas? Ah bah moi, en pleine forme, hein. Ah bah oui, je vois que t'as déjà le couteau pour le... On est prêt à castagner, Non, mais là, on a des bons produits. Faut les présenter. On a du saucisson, du comté, du Saint-Nectaire. On n'est pas encore sponsor par les produits. Et là, Kirchhoff s'en met. Et on n'est plus là. Ça viendra. Et l'invité mystère qui va être à mes côtés. Voilà. J'ai de la chance. L'invité mystère. C'est bien, cette fois-ci, t'as pas mal. Pas comme on répète. C'est bien, tu t'as fait attention, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous, mon cher Ted. Ouk, comme on dit. Ouk. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous donner en stratégie et subtilité. C'est mes points forts. Exactement. Bonjour. Je veux de l'argent. C'est un peu HRP. Mais je vais pas quoi, on commence à HRP. Ah oui, excuse-nous. Oh mon Dieu, ma voix. On a Kirkis qui nous rejoint, qui remplace Fred. Kirkis, l'incarnation est totale. Ça va, t'es prêt, t'es chaud pour cette soirée? Ça va. Ça a été, on t'a eu. On a eu peur de pas t'avoir aujourd'hui. C'est ça. J'ai raté mon griffon. Et le griffon. Pour venir à Baldur's. Dommage. C'est ça. Mais c'est bon, Mais j'ai réussi à choper une charrette. Un vieux poney qui traînait. Ok. Non, bah, en tout cas, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous et hâte de voir Kirkis en contrôleur fiscal avec moi. Ça va être un plaisir. Et très content de recevoir Thibaut InShape comme invité mystère, bien sûr. Oui. Dommage, il a balancé le blast. C'est spoilé, ça y est. Unlucky. Écoute, mon cher Linkus. Oui, enfin. Comment ça va? Ça va très bien, heureux d'être là, enfin. Alors, notre très cher Linkus, comment allez-vous? Écoutez, plutôt, ça je vous vois. Excellemment bien, mon cher Al. Et oui, et comment allez-vous, Dieu? J'ai envie de dire. Parce vous que, voulez du point d'inspiration? Oui, ça me plairait beaucoup, oui. Linkus qui sera notre MJ maître du jeu, comme à l'épisode 1, bien évidemment.
J'espère que tu es prêt, que tu as aussi hâte que nous. Je pense qu'on est tout aussi hypés que les spectateurs, parce que, évidemment, on ne connaît pas, hein, on ne sait pas spoil ni rien, donc ça va être la découverte de ce que tu nous as concocté pour ce soir. Surtout qu'il y a pas mal de petites surprises que des je vous ai réservées. Aussi. Et des nouveautés, vous aurez un peu plus de précision sur certaines backstories, vu que voilà, j'ai pu tout écrire pendant ces deux mois. Oui, il y a aussi des d'ailleurs, tu peux peut-être faire le... Ouais, petit détail, un merci à Hitpoint Press qui nous ont passé des cartes de spells ultra stylées que vous pourrez voir tout au long de la soirée pendant les combats, notamment avec des spells animés. Enfin voilà. Pareil, côté sorts, il y a beaucoup plus de sorts. Là, ça va aller. Là, ça va être l'école de magie. C'est Gérard Majax. Là, ça va être marre dans tous les sens. C'est moi qui n'en ai pas. C'est Harry Potter. Ce soir, ça va partir dans tous les sens niveau magie. Sauf, on a le spectateur là, qui va regarder. Mais t'as mis le pas grave. Ouais, beaucoup de spectacles. Là, ça va être d'ailleurs, je rappelle aussi, on va rester sur les règles de Donjons et Dragons 5ème édition. Il y aura quelques petites subtilités si on y arrive à ces niveaux-là. Mais globalement, on va rester sur les mêmes règles. Il y a eu quelques modifications sur. Le personnage de Kirkis. J'étais nerf. C'est honteux. Le patchnote. Mais voilà, et je vais vous laisser évidemment avec une petite vidéo d'introduction, résumé du narrateur. Dans l'épisode précédent, le chaos règne dans la porte de Baldur. Depuis que de nombreuses villes disparaissent sans laisser de traces, les survivants cherchent à tout prix un refuge. Le poing enflammé a bien du mal à contenir ces âmes en peine qui se bousculent aux portes de la ville. Nos cinq héros, Al, Ouk, Troma, Kirkis et Eventur, se sont vus convoqués par Darmin Zodj, un capitaine du poing enflammé. Il leur a donné une mission bien particulière afin d'apaiser les tensions. Retrouver et tuer les membres de la secte des Trois Funestes. Il semblerait que la duchesse Van Tampour soit la responsable des agissements de cette secte. Mais on ne peut s'attaquer directement à l'une des femmes les plus puissantes de la porte de Baldur, surtout si elle s'est alliée à des démons. Nous retrouvons nos héros alors qu'ils s'apprêtent à traquer Amric Van Tampour, le fils préféré de la duchesse, dans l'espoir de la mettre en position de faiblesse. Merci au narrateur de ce petit résumé et de belle introduction. Nous allons commencer, vous êtes dans le bureau de Darmin Zodj, que vous connaissez maintenant très bien. Lorsque vous rentrez, il est seul dans son bureau, assis. Il semble très nerveux, très énervé. Et la première personne qui rentre, Troma, il te cible du doigt et il te demande un rapport. Mon cher Darmin, nous rentrons de notre mission et je dois dire que les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait espéré. On a quand même récupéré quelques précieuses informations, mais je vois que... Aujourd'hui, t'es assez étrange, t'es assez bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux... Je viens de recevoir une facture. Oui. Oups. Oui, d'accord. Je vous avais dit pas de dégâts, enfin les dégâts collatéraux, oui. Je vous avais dit qu'on faisait table rase et que je m'en foutais, mais... On était salé, monsieur Troma. Oui, je suis d'accord, mais... Qu'est-ce que t'as fait, Troma? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Non, mais mon cher Darmin, c'est vrai qu'on... Franchement, on n'a pas eu le choix, hein. C'était la situation qui l'exigeait. Bon, on a dû combattre des forces tout à fait démoniaques et nécromantiques, donc voilà, on n'a pas eu le choix. C'est comme ça. J'ai appris que vous avez liquidé un nid, mais on m'a appris également qu'il y avait eu d'autres attaques. Donc il en reste, de ces saloperies des Trois Funestes, qui traînent dans les rues. A priori, il en reste. Qu'est-ce que vous en pensez, cher compagnon? J'espère au moins que vous avez des informations, que vous avez des pistes. On a quelques pistes, oui. Vous avez peut-être des noms, quelque chose. Parce que pour le moment, tout ce que je vois, moi, sur mon bureau, c'est une note salée des bains. Il y a eu quelques pertes. Bon, après, je m'en fiche. Plusieurs personnes m'ont évoqué un feu dans les bains. Quoi? Oui, non, mais il se pourrait. Tout est possible. C'était une petite illusion. Je vous avoue que j'ai été plutôt étonné quand j'ai appris ça, mais... Oui. Ils vous ont facturé combien la passe de illusion quand même. Ça vous question. Regarde pas. Mais ils ne vous ont quand même pas facturé pour le feu. Non, visiblement, c'était un feu illusoire, m'a-t-on dit. Tout à fait. Bon, dit de comme mes ça. Soins. Mais ils facturent quoi alors?
Bon bah, c'est pas le bon massage quand même, parce qu'il a pas goûté. Mais il y a un chien, tout s'est effondré là, tu te souviens pas? Ah oui, c'est vrai, je oui. Pense que, mon cher homme, si vous allez, si vous allez faire un tour au bain, vous allez être surpris du fait qu'il est descendu d'un étage, peut-être. Ah oui, mais c'est des travaux de rénovation, ça, c'est rien. On va pour faire un rez-de-chaussée, c'est pas mal, effectivement. Oui, faut le voir comme ça. Oui, mais ce lieu méritait de disparaître. Il y avait un nid en dessous. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Ah, bon, bah alors. Au bout d'un moment, on me demande quand même des comptes. Bon, je vous avais dit les dommages collatéraux, on s'en fiche. Mais bon, ça me fait un peu chier quand même. D'accord. Mais c'est la faute du service urbanisme. Hein. C'est la voirie. Ouais. Ouais, c'est ça. Un qui travaille, deux qui regardent. On les connaît bien ceux-là, mais ce n'est pas le propos. Est-ce que vous avez des pistes, des noms? Oui, on a trouvé un nom là. On leur... Oui. Alors, c'est. Aventure, Nimonsu, là. Parce que j'ai pas bien noté. De mémoire, c'était. Henrik. Amric. De Amric. Von Tempo. Amric. Amric. Le fils de la duchesse. Oui. Oui. Tout à fait. Donc vous êtes en train de me dire que la duchesse est dans le. A priori, la famille de la duchesse travaillerait pour financer les trois funestes. De ce qu'on a appris, on a croisé un certain Mortlock, Van Tempo, le fils un petit peu. Oui, moi je le connais très bien. Bon, il a été bercé un peu près du mur celui-là. Oui. Mais en tout cas, il a l'air plutôt costaud. Oui, il est recherché pour. Attendez, il est qui sort un carnet, commence à feuilleter des pages. Il fait environ une cinquantaine de meurtres, C'est un bon bébé. Après, pour ça, bon, on a rien à voir avec lui. Hein. Nous, on l'a juste croisé sur la sortie. Ouais. Il avait réglé le compte à pas mal de cultistes. Ok, je note, ça sera peut-être pris dans son dossier. Voilà, non, mais on vous donne l'info. Et la duchesse, elle habite en ville quelque part? Elle a un château, un truc comme ça? Bah, il y a la villa, mais vous imaginez bien qu'on va pas aller s'attaquer à l'une des femmes les plus puissantes de la ville. J'ai pas dit s'attaquer, on peut juste poser des questions, non? Je vais discuter. Elle vit dans sa villa, dans la cité haute. Et on pourrait pas avoir un rendez-vous? Mais on n'est pas l'armée, pourquoi on peut pas aller la voir? Elle déteste profondément notre ordre. Eh ben elle fait tout pour pas qu'on existe. On lui dit pas qu'on vient de chez vous. Eh oui. Ouais. Vous êtes bien épinglé de chez moi. Ah oui. L'objectif, a priori... On m'a décrit précisément vos tronches à la sortie du bain. Ah oui. Les nouvelles vont vite. Alors, quel est votre plan? Avez-vous un plan peut-être? Non, mais petite info qui pourrait peut-être vous intéresser. A priori, l'objectif de la famille Van Tempo, ce serait de discréditer le point enflammé et de les faire dégager de Baldur's Gate. De la porte de Baldur. Mais qui t'arrive-t-il? Pardon, excuse-moi, c'est mon accent, c'est un accent du Nord. Vous avez bu du thé peut-être. Oui, j'ai bu un peu trop de thé. Donc l'objectif, ce serait a priori de, à terme, vous faire dégager tous, et donc nous avec, et de faire dégager tout ça là, on sait pas trop où, un petit peu à la manière de El Turel, c'est-à-dire faire disparaître la ville. Donc on est a priori sur quelque chose de relativement dangereux, et j'aimerais savoir si vous étiez déjà peut-être au courant avant de nous mettre sur le coup. Non. Je savais qu'il se tramait un truc avec les trois funestes, mais je voulais être sûr de qui était dans le coup. Ouais. Et bon, la famille Van Tempur, ça me choque à moitié. Donc, on aurait potentiellement un plan. Le plan, c'est d'aller lui poser des questions. Maintenant, il faut qu'on y aille sans qu'elle sache que c'est nous, en gros. On pourrait pas s'introduire chez elle. Tu veux raser ta barbe et faire bonjour. Je me permets quand même de m'avoir. Regarde. On a dit qu'on pouvait trouver le Amric. C'est un de ses fils, en effet. Il nous avait donné le nom de l'auberge. La lanterne assourdie. Oui, voilà. Ouais. Apparemment, son fils se trouve là-bas. Ça a l'air de vous. C'est un lieu qu'on connaît. Oui. Alors, c'est quoi? Dites-nous en plus. C'est une embarcation, un énorme bateau qui sert de taverne. Avec un repère. J'ai aucune aide à vous apporter. C'est bien fréquenté? Pas très bien fréquenté. Et alors, du coup, on vous explique que là, il y a un complot pour faire dégager le point enflammé de la ville, de détruire la ville, et vous nous dites, vous n'avez aucune aide à vous apporter? J'ai aucune aide à vous apporter. Alors, par contre, si vous ne nous apportez pas d'aide, est-ce qu'une petite compensation financière ne serait pas de luxe? Ça, c'est vrai que ça va pas être de luxe. Voilà. Il me semble que vous avez déjà, on a déjà un contrat ensemble. Oui, mais bon, 200 pièces d'or, bon. Il faut se dire que les prix ont changé, d'accord? La vie, la conjoncture, on s'adapte au marché. Je des bitcoins. En parlant de vie, je tiens à vous rappeler que j'ai un peu le droit de vie ou de mort sur vous, quand même. Ah, alors vous avez le droit de vie ou de mort sur nous, mais alors la comtesse, c'est open bar. Non, mais 200 pièces d'or, ça suffit. Hein. Je pense que, enfin, de ce qu'on vous explique, on est dans la même équipe, peut-être? Bah oui. On est dans la même, même équipe. Mais du coup, ce serait bien qu'on travaille ensemble et qu'il n'y ait pas de menace dès qu'on finit une phrase. Écoutez, si. Si vous arrivez à faire ce qu'on doit faire, au moins la cité disparaîtra pas. On est d'accord. Ça serait notre histoire. Oui. On est d'accord que sans nous, vous dégagez. Ah non, mais moi je m'en fous. Hein. C'est-à-dire que moi je pars de la ville dès que ça sent le sapin. Hein. Eh ben vous gagnez un aller sympa à la Bourboule, je vous le dis tout de suite. C'est juste que... On prend la ville. J'aimerais bien. Bon. Sortir de la ville, ça va être
un poil compliqué. Pourquoi? Elle est verrouillée, tout simplement. Elle est verrouillée. Il y a ordre de ah oui. toute personne. Ah oui, on avait vu que ça craignait un petit peu. Ça y est, donc j'ai plus personne. Personne ne peut rentrer ou sortir de la ville. Ah. Vous dites qu'elle est verrouillée. Est-ce que vous avez essayé d'ouvrir la porte? Enfin, on m'a dit que c'était un bon conseil. Non, vraiment. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur une porte ouverte et c'était compliqué, en effet. Donc, on peut annoncer peut-être le plan. Bah, faut aller à la taverne. On sort de Bardu. Là, on est dans la taverne. La lanterne assourdie. Si on tombe sur Amric, putain, un encroché dehors, on le kidnappe, on est un peu des pros du kidnapping. C'est vrai qu'on a eu quelques expériences. On a quelques expériences. Qu'est-ce que tu veux dire? Clin d'œil, clin d'œil. Et on vous le ramène et on s'organise. Si ça vous intéresse, vous n'avez pas l'air d'être très investi. Tu vois, il réfléchit, il se pose un peu. Et d'ailleurs, en réfléchissant, il enlève son cache-œil, donc vous voyez qu'il y a un trou béant qui est absolument ignoble. Bon, remettez ça. Non, c'est ça. Dégueulasse. Moi, je vous propose peut-être, vu que vous avez l'air impatient d'aller voir la duchesse, prenez son fils et l'utilisez-le comme la pièce qui vous permet de rentrer partout. Ouais, mais il faut le trouver. Quelle vous pièce savez, qui oui. nous permet de rentrer partout? Le petit badge que donné, vous avez donné. Rappelle-toi. Ah oui. Ça sera un peu votre Amric, sera un peu votre badge de la cité aussi. Donc, la duchesse, elle a bien des troupes avec elle, non? Elle a bien des gardes. Il y a des gardes. Bah oui. Si on le menace avec un couteau et qu'on dit on veut rentrer partout avec, ça va pas marcher longtemps. Elle tient énormément à son fils. Ça, c'est une chose. Ah, pas tous a priori. Hein. Oui, mais c'est ouais, justement mais pour ça qu'elle va nous peler le jour après. Donc c'est un peu une énigme pour moi. Je sais pas trop pourquoi elle garde cette espèce de tête d'œuf. Oui, mais du coup, le Amric, il est protégé. Il est protégé, ouais. Il a beaucoup de gardes, vous avez des infos sur ça ou pas du tout? Il va régulièrement s'acheter des hommes de main en tout cas. Les services d'hommes de main. Ah, il s'achète des. D'accord. Oui. Bon, écoutez, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peut-être aller à la taverne et essayer de lui poser des questions discrètement sans éveiller les soupçons. Je peux me déguiser, moi. Ce qui évidemment ne marchera pas. Si je peux me permettre, ce que je veux. Évitez de montrer vos badges. Vous pouvez peut-être même me les rendre si vous préférez qu'il n'y ait pas de suspicion. Si jamais il vous fouille ou quoi. Mais on est sûr qu'il est là-bas? C'est à vous de me le dire, visiblement c'est vous qui avez l'info. Mais... Au pire des cas, j'ai un contact, un certain Colon, il a découvert l'Amérique, il paraît. Donc on peut le récupérer. Mais je sais pas où il est en ville. Je suis à ça de t'enlever ton point d'inspiration. Ouais, Moi, ce que je sais, c'est qu'elle tient énormément à son fils. Et que je peux. Le fait que vous fassiez partie du point enflammé, ou que je vous ai engagé, va pas vous aider grandement. Quoi. Ouais. Très bien. Mais est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos sur, finalement, vous savez des trucs sur la duchesse? Bon appétit. D'ailleurs, je vois que vous vous servez dans mon saucisson, faites-vous plaisir. Hein. Il est de qualité, il est très sec. Oui. Mais c'est ça qu'on reconnaît, un saucisson de bonne qualité. Sec et nerveux, c'est vrai. Comme la duchesse, si je me permets la petite d'accord. Blague. Mm-hmm. Donc vous avez quoi comme info à nous donner, peut-être, sur la duchesse? Elle fait partie des personnes les plus puissantes de la ville. Elle gère un peu tout ce qui est, tout ce qui est dans la ville, quoi. Elle fait partie du conseil. La soupçonne d'avoir évincé 2-3 personnes à son profit. C'est une femme également du peuple, à la base. On sait qu'elle a travaillé de ses mains. Elle gérait, il me semble, il y a quelques années de cela, le réseau d'égouts de la ville. Et sinon, j'ai pas trop d'infos. Je l'ai vue une seule fois et ça s'est pas très très bien passé pour moi. Une personnalité, vous l'avez vue qu'une seule fois? C'est étonnant. Je l'ai vue qu'une seule fois. Moi j'ai une question simplement concernant le pécule, parce que là bon voilà on a commencé, on mène l'enquête. 200 pièces d'or nous avons dit. Donc là est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus, parce que ça pourrait peut-être être bien de s'équiper un peu mieux si on commence à s'attaquer au fils de la duchesse, non? Écoutez, comme la dernière fois, si vous le désirez. Non mais votre stock d'invendus, ça nous intéresse pas. Nous, c'est, je veux dire, si vous nous faites déjà une petite paye et ensuite on peut un petit peu aller. Vous entendez une petite paye, mon cher. Je sais pas par rapport à. On a quand même. Parce que là, on a quand même dégagé les bains. Non mais alors, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Non mais. Ce qu'il dit en gros, c'est que là, on a notre salaire, mais on veut le défraiement aussi. Non mais une avance. On veut faire un petit test, le premier de la soirée, pour essayer de négocier. Ouais. Comment vous négocieriez ça? Moi, je propose simplement qu'on vient de vous apporter des informations critiques concernant le destin de la ville et concernant les forces en présence qui veulent potentiellement faire disparaître la ville. Et vous avec, on a dégagé les bains. Alors, on les a peut-être un peu trop dégagés, mais c'est pas de notre faute. Je veux dire, on n'a rien cassé, nous. Mais on a dégagé les cultistes qu'il y avait là-bas. On vous apporte beaucoup d'informations. On a envie de travailler avec vous, vous m'êtes sympathique. Maintenant... Enfin, je veux dire, ça pourrait être quand même pas mal, une petite avance sur paiement pour qu'on puisse un peu mieux s'équiper, parce que là, on va quand même aller taper à la porte. Fais-moi un petit test de persuasion. Ouais. Et tu as un avantage. Ouais, c'est très bien, merci. Alors, persuasion, on est sur +2.
Natural 20. Oh, allez, 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 let's go. Ça va être une bonne soirée. Putain, ça a l'air. Moi, je sais, ça me fait plaisir. Au plan. Ouais. Juste ça, avantage ou pas, pas besoin. Il a l'air d'être OK. Vraiment, même surpris. Il dit effectivement, je dirais que vu comme ça, c'est tout à fait logique que je vous donne une avance. Ne serait-ce que peut-être pour vous payer peut-être une dernière soirée à la lanterne, si jamais la ville se met à disparaître. Vous demandez plus. En revanche, je vous parliez d'un vendu tout à l'heure. Je le prends un peu mal parce que j'ai reçu des nouvelles armes. Ah ouais. Ah, sans doute. Quel type d'armes, dites-nous. Pas au courant, montrez-nous. Bah, il se lève, il vous remonte. Enfin, si vous vous rappelez, il y avait une espèce de cour intérieure où les soldats s'entraînaient. Et vous voyez des armes bien rangées. Il y a quelques rapières, il y a quelques épées à deux mains. Et vous constatez plusieurs pléthores de boucliers, d'arbalètes, etc. Avec les carreaux qui vont avec. Et qui sont, pour le coup, pas des armes utilisées. Des armes vous auriez une rapière. Bah lui, il t'en montre. Il y en a quelques-unes, il y en a une dizaine. Combien la rapière? Bah, je la donne. Vous me l'a passé? Oui, c'est, il ne la paye pas. Je vais vous prendre la rapière et je laisse les autres se débrouiller. On peut prendre ce qu'on veut là. Vous pouvez prendre ce que vous voulez dans la mesure. Dans la mesure, évidemment. Vous avez une charrette? Raisonnable. Pour mettre des trucs dedans. Des animaux? Comme ça, tu transformes en mulet, je la tire et. Il y a des objets type magique, un truc dans le genre, non? Pas du tout. En revanche, pour la rapière, je veux bien vous la donner, mais à la condition que vous êtes prêt à gérer cette affaire avec Amric. Ah bah bien évidemment. Mais alors attendez, vous donnez juste la rapière là? Non, je la garde de côté. Ce sera mon gage que vous allez faire, que je vous ai demandé. En revanche, je vous donne une petite avance. Car mon ami Kirkis voulait une petite avance et je connais ses petites habitudes dans les lieux où on traîne pas trop normalement quand on est honnête. Ouais, je parle des filles. Non. Je parlais des filles. Je m'y engage. Des filles et les animaux. Donc je il commence à regarder. Il prend plein de petits sacs, petites bourses. Il vous les distribue. Okay. Vous avez environ une vingtaine de pièces qui est une avance sur les 200. Hop là, il n'y a pas grand chose. On connaît en gérer l'argent. Vous ne devez pas juste, thunes, je vous donnerai la rapière plus tard. Il me faut un inventaire avant. Ah bon? Sinon, je vais me faire un peu de temps. Mais on va à la guerre maintenant, monsieur, faut sortir. Ah, quand même, là, soyez raisonnable. Je vais avoir besoin de la rapière maintenant, là. J'ai un peu les poings liés. Et les poings enfoirés. Je peux vous laisser mon épée courte en échange, il n'y a pas de problème. Je suis un peu, tu vois qu'il est vraiment gêné et qu'il semble être. Bloqué par une force qu'il définit comme la force administrative de la ville, et que si vraiment la ville venait à ne pas disparaître, il risque son poste à vous donner des armes qui sont neuves et qui n'ont pas encore été. On a qu'à envoyer l'administration pour affronter la duchesse alors, si c'est fort. J'aimerais bien, s'il avait un avatar, cette Est-ce administration. Est-ce que je peux tenter un jet d'intimidation sur Darwin pour lui dire qu'à un c'est moment donné. C'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Non, mais à un moment donné, il a l'air de dormir, le mec. Non, je suis C'est-à-dire que. Non, mais c'est Darwin, pas dormir, qui s'appelle. Comment mais on lui dit que la ville peut être détruite, que ça va mal finir pour lui, etc. Le mec galère à nous filer une rapière. C'est pas un garde, c'est des mercenaires. Les poings enflammés, c'est des mercenaires. Ils en ont rien à foutre. Ouais, je pense qu'on pousse trop là. Hein. Je pense D'ailleurs, qu'il faut le laisser petite, tranquille. Petite précision, je reprécise, je crois que l'avoir dit au début, mais il est vraiment seul. Mm. Alors qu'avant, dans la caserne, il y avait du monde. Vous avez vu que ça se bastonnait. Ils sont partis où? Il te dit qu'ils sont réquisitionnés justement au niveau de la fermeture de la ville. Ok. Bon, écoutez, ça marche. J'espère que vous me la garderez bien au chaud alors. Oui, pas de soucis. Merci. Je me permets avant, est-ce que je sens une présence dans la pièce dans laquelle on se trouve? Pas du tout. T'as pas eu de gêne particulière en rentrant dans la pièce. Bon. Donc on se barre avec 20 PO. C'est ça. 20 pièces d'or chacun? Oui. Okay. Et une avance sur Je prends la petite bourse de 20 pièces d'or et je la balance à Kirkis. Ah, quoi? La bourse pour toi. What? C'est pour moi? Je te balance les 20 pièces d'or. Ah, donc t'as fait 40, c'est bien ça. T'as pas ramassé des joyaux aussi? Allez, ça te suffira. Non, t'as des ramassé des joyaux. Ça te suffira, les papy joyaux, non, hein, les joyaux. Ça te suffira, poche, papy. Là. Je fouille un petit peu, là. Je passe une main sur les Est-ce fesses. Est-ce que ça te suffira, papy? Le nom de la cuisse. Je suis désolé, mais je dois vous congédier. Je dois fermer On comprend. Je comprends, Darmin. Merci à vous. Bah, bon courage. Essayez de pas partir avec cette ville si jamais elle vient à disparaître. Peut-être qu'on se retrouvera dans une autre vie. Mais on voit que ça vous attriste. Ça vous attriste beaucoup. Malheureusement, je ne pleurais que d'un œil. Ouais, je vois ça, je vois ça. Et je l'ai perdu. Non, mais faut économiser ses larmes. On va faire de notre mieux, Darmin. Merci beaucoup. Et il commence un peu à vous pousser un peu vers la sortie, à vous congédier. Et vous sortez du bâtiment, donc de la caserne du point enflammé. Lorsque vous vous retrouvez dans les ruelles de cette ville, de cette cité sanglante, vous constatez qu'il y a une épaisse brume qui commence à s'installer dans les rues. Il fait nuit, vous êtes en début de soirée bien entamé. Mmh. Une fumée épaisse, un brouillard épais se dégage dans la rue. Et vous discernez une silhouette
Il commence à se diriger vers vous, mais je vais laisser le narrateur présenter cette personne. Le trou béant qui est apparu sous mes yeux à la place de la cité d'Elturel n'est rien, en comparaison du vide provoqué par ton absence. Où es-tu, mon frère ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit quant à ton mystérieux client ? Je refuse de croire que tu es perdu à jamais, et je te retrouverai. Mais je ne pourrai jamais y arriver seule. Personne ne s'est montré assez digne de notre confiance jusqu'ici. Et pourtant, il va me falloir trouver un groupe assez téméraire et bené pour enquêter sur les trois funestes. Manipulation, persuasion, trahison, je mettrai à profit toutes les techniques que nous avons élaborées ensemble pour comprendre ce qui t'est arrivé. Ces gars-là sont brillants et se mettent déjà dans les pattes les uns des autres. Mais ils pourraient bien m'aider. Merci, monsieur le narrateur. Donc cette personne sort de la brume et se dirige vers vous. Et je vais la laisser se décrire. Bonjour. Vous voyez une tiefling, pas très grande, la peau bleu-grise, les cheveux noirs très très longs, et qui a l'air d'avoir un peu entendu ce qui se passait. Elle vous observait depuis un petit moment et elle s'approche vers vous avec un regard un peu mystérieux, mais assez malicieux. Je m'approche d'elle et je lui lance « Madame, pouvons-vous nous aider ?» M'aider... C'est l'inverse, mais c'est pas grave. C'est le bon mot. Oui. J'ai cru entendre que vous cherchiez les Vantem Pur. Excusez-moi, mais vous me paraissez connaître une information qui n'est normalement pas accessible. Comment ça se fait que vous sachiez ceci ? Disons que je sais être discrète lorsque mes affaires sont concernées. Et j'ai une affaire familiale qui pourrait peut-être vous intéresser et m'intéresser. Je me retourne vers le groupe et je leur demande « Que pensez-vous de tout ceci ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on soit écouté de la sorte ? Et que pensez-vous de son offre ? » On a déjà un tiflin dans l'équipe. Ouais, moi un seul, ça me suffit. Et puis en plus, elle avait l'air vraiment méchante sur la cinématique. Hein. Pas très joviale. Non, mais c'est pour avoir une deuxième personne qui peut me pousser par-dessus les escaliers, non merci. Bon, néanmoins, vous avez l'air de nous avoir écoutés. Mm-hmm. Vous avez une affaire familiale. Mm-hmm. En quoi venir avec nous peut être une bonne chose pour vous? Je suis peut-être perspicace, mais je pense que vous avez vu mon physique et j'ai vu le vôtre. Donc nous trouverons un arrangement. J'ai des infos. Vous aurez ce que vous voulez. J'aurai ce que je veux. Ça veut dire quoi, elle a vu ton physique? Le vieux. Personne n'est gros ici, d'accord? Je n'en suis pas ça. Le problème. Je parlais de votre force, évidemment. D'accord, très bien. C'est pas vrai. Mais les informations, vous les échangez contre quoi finalement? C'est pas vraiment l'argent qui me motive, mais apparemment vous, oui. Mmh. Ah, c'est bon, elle a dit que c'est pas l'argent qui la motive. J'utilise l'action pour la mort. C'est bon. Je me désengage de cette conversation. Il y a Al qui se dit dans la brume. Bah, oui, d'ailleurs. Attends, mais comment elle sait là, tous ces trucs là? Comment vous savez tous ces trucs, vous? Une vous, dame vous ne connaissez révèle pas tous ses secrets. Mais ça veut rien dire ça, dis donc. Al, tu la connais? Alors, sous prétexte que les tiflines, on se connaît, c'est quand même un peu limite. C'est raciste, hein, vraiment. C'est quand même comme par hasard, elle connaît absolument tout de notre plan. Donc je me suis dit, forcément, Ali, il a tout balancé. Non, c'est la première fois que je rencontre cette personne. Mais c'est surtout à quel moment elle nous a écoutés. C'est pas au moment des bains, il y avait un tel bordel. Et c'est pas qu'on était chez l'autre qui s'endormait. Vraiment, à quel moment on vous laisserait venir avec vous si jamais vous voulez pas nous révéler vos secrets? Enfin, je dis pas non plus tous vos secrets, mais genre, comment vous avez appris tout ça, quoi? Donc vous avez besoin d'avoir des infos sur ma vie, mais vous voulez de l'argent, c'est pas l'argent qui vous intéresse? Non, si, moi c'est l'argent qui m'intéresse. Alors restons à l'argent, non? Ouais, c'est pas bête. Avez-vous abusé d'une sorcellerie pour nous écouter? Une sorcellerie? Oui. Non, je suis juste très loquace. J'espère. Bon, tu peux me faire un petit test de perception. Ok. Avec avantage, s'il te plaît. On est... sur du 18. Ah. Je peux relancer. Tu peux le relancer. Plus, mais ouais. On va voir si tu fais plus, quand même. Et là, sur du 17. En fait, quand tu poses la question si elle a usé de sorcellerie pour vous entendre, ne serait-ce que déjà dans le bureau de Darmin, en fait, vous entendez Darmin très distinctement, en fait, même dans la ruelle. Les fenêtres ont l'air plutôt fines. Mmh.
et vous l'entendez ruminer, vous l'entendez qu'il est en train de préparer des choses, et vraiment, quand il parle tout seul, vous l'entendez très distinctement. Okay. Comment on peut pas savoir que vous allez nous planter un couteau dans le dos dès qu'on aura le dos tourné? C'est vrai, ça. Ah, ouais, voilà. Pointer son bouteille. Moi, j'ai une question d'abord. Ouais. Quel est votre nom? Je m'appelle Mindaria. Mindaria, Mindaria, tout court? Vous êtes de quelle famille? Mordecai. Dis ça, ça nous... Quelle ascendance? On pourra peut-être en parler plus tard, c'est pas l'important tout de suite. Oui, son horoscope, là. Bon. Tu veux lui faire son horoscope ou... Non, non, c'est juste que chez nous, c'est important, mais ok. Chez vous. Pourtant, il me semble pas vous connaître, et j'en connais beaucoup, des tiflins. Vos cornes... Je suis pas d'ici. Mmh. Je suis pas de ce coin. Les cornes courtes. Ouais. D'accord. Reste discret. Mmh, discret, n'est-ce pas? Je suis un petit peu moins... exubérant. Important. Ouais, non, je vois ça. Mais... du coup, vous avez besoin de nous, vous avez de l'argent, ou alors, au final, vous voulez venir... Écoutez, nous, là, on est sur quelque chose d'important. La ville est en danger, vous devez être au courant. Vous avez entendu tout, j'imagine? Oui, il se pourrait que j'ai perdu quelqu'un avec cette ville, donc oui. D'accord. Donc, soyons clairs. Je sais potentiellement comment rentrer chez les personnes qui vous intéressent, mais j'ai besoin de vérifier mon information. Et pour vérifier cette information, nous avons une personne en commun à trouver. Il semblerait que ce soit Emeric. Oui. Nous allons au même endroit. J'ai besoin de mes infos. Vous le récupérez. Après, on voit. Oui, mais pourquoi vous faites tout ça? Moi, je me méfie des gens trop généreux. Mais avez-vous vu mon physique? Encore une fois, vous pensez vraiment que je peux rivaliser avec Emeric et ses gardes? Oui, mais vous voyez bien quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez derrière tout ça? Vous avez un but caché? Simplement retrouver quelqu'un de ma famille qui aurait potentiellement fait des choses. J'aimerais faire un test de perspicacité pour voir si elle dit réellement la réelle. J'aimerais un petit peu l'observer pendant qu'elle parle, voir si elle dit la vérité. Tu peux. Alors, le brouillard, c'est la saison des brouillards. Il est sympa le sonar. Ou alors, okay. C'est où qui évacue le saucisson, on ne sait pas. C'est où qui a très très chaud. Qui ouais. 7 plus 1, 8. Elle doit en faire un aussi. En fait, non, même sans ça, elle a... c'est vrai que c'est plus pour confirmer peut-être des doutes, mais elle n'a pas l'air de mentir. Oui, enfin bon. Ok. Non, mais vraiment, tu sens qu'elle a pas l'air de cacher quelque chose de particulier. Messieurs, Roma, Ventur, Kirkis, je m'en remets à votre jugement. Moi, j'ai du mal à faire confiance à mon espèce. Écoute, je pars du principe que si elle demande pas d'argent, que la petite, de toute façon, on a besoin de rentrer chez l'autre, la comtesse, en soi. On n'a pas de moyens, c'est pas l'autre avec ses feux d'artifice qui va nous faire rentrer. Bah, super, maintenant on attaque la magie, super. Hein. C'est pas moi avec ma carrure non plus, donc je pense que son aide peut nous être utile. Mais attention, il y a manigance, je tranche comme mon saucisson. C'est vous qui sentez le fromage? Et alors? On part jamais sans un petit Catherine à l'aventure. D'ailleurs, je me permets, vous pratiquez quel genre de combat? Plutôt la magie. Quel genre? Imprévisible. Ça veut dire qu'elle rate une fois sur deux. Vous avez signé un contrat? Oui. Pardon? Vous avez signé un contrat? Un contrat? Non, pas du tout. Est-ce que vous faites de la magie démoniaque? Parce que moi, quand je vois quelqu'un avec des cornes... C'est bon. Alors ça, faut arrêter. Hein. Écoutez, ça, c'est quand même... J'ai le droit de poser la question. Oui, Paladin, ça vous dispense pas d'être un peu plus intelligent quand même. Non, faut arrêter avec ça. Nous autres tiflins, on a beau avoir des looks un petit peu... c'est pas pour ça qu'on est nécessairement des mauvais gens. Donc, il faut arrêter avec ça. Je suis d'accord avec vous, mais quand je vois des gens avec des cornes, soit ils sont diaboliques, soit ils sont cocus. Alors il faut choisir. Moi, j'ai bien vu votre tête et vous n'avez pas choisi non plus. Et d'ailleurs, la différence que vous pouvez noter entre les deux tiflins, c'est qu'il y en a un qui porte des bottes et pas l'autre. Elle a des bottes et lui, on voit ses sabots apparents. Pataclope. Dernière question. Avez-vous un a priori avec les nains ou quelque chose? Non, c'est bon, vous les aimez bien, il n'y a pas de problème? Si vous n'avez pas de problème avec moi, j'en ai pas un avec vous. Parfait! Dans ce cas-là, on va faire fi de votre apparence, moi le premier en tout cas, et je pense que vous êtes quand même de bonne foi, parce que votre but semble louable, et ça me plaît. Par contre, notre mage est raciste, faut savoir ça. Et notre paladin aussi! Je me méfie juste. Hein, ok, très bien, écoutez, on se met en route. Rappelez-moi votre prénom. Mindaria. Mindaria, bienvenue dans l'équipe. Merci à vous. Bienvenue. Donc vous commencez à vous diriger tranquillement vers la lanterne assourdie. Vous parcourez les ruelles qui vous semblent étrangement vides.
ou du moins parfois vous entendez des voix ou des... Vous entendez des voix ou des petits bruits, mais rien, vous voyez jamais personne dans les ruelles. Même si on est en début de soirée, c'est un peu étrange. Au bout d'un moment, Hook et Aventure, vous, en arrivant avec le groupe à un croisement, vous sentez une présence, quelque chose qui vous intrigue. Pas forcément un danger, mais en tout cas quelque chose qui menace peut-être le groupe de manière indirecte. Et lorsque vous arrivez à un carrefour, jonché de, vous voyez, des tonneaux, vous êtes peut-être dans une zone un peu de dock ou de chargement, vous êtes entre des entrepôts en bois, etc. Vous, d'un seul coup, vous semblez être d'avoir le pas lourd. C'est-à-dire que chaque pas vous semble être vraiment un effort à demander. Alors, pour certains, ça pourrait peut-être venir d'une digestion ou quelque chose comme ça. Mais au bout d'un moment, le doute se dissipe très vite et vous sentez qu'il y a une force qui vraiment vous retient à ce carrefour. Et au niveau des tonneaux, ce qui vous surplombe, vous voyez une personne, un humanoïde, qui se dévoile à vous. Il enlève sa capuche et vous constatez qu'il a un masque de forme draconique. Et il tient dans sa main une pierre qui semble un peu être luminescente. Tantôt passe du bleu, tantôt passe du vert, ses couleurs diffèrent. Et en un battement de cils, vous constatez qu'il y a une personne à peu près habillée comme lui qui est à votre gauche, à votre droite et derrière vous. Cette personne s'adresse à vous. Elle pointe du doigt un peu votre groupe. Bon, qui c'est qui a emprunté un objet que les Ventempour nous avaient volé ? Moi ? Pourquoi il y a un problème ? Bah, dites-moi, vous avez pris quoi chez les Ventempour ? Je sais qu'un objet que nous cherchons est possédé par un d'entre vous. On peut régler ça correctement. Si vous nous donnez l'objet... Bah, tu dois savoir quel objet tu cherches, alors dis-nous tout. Ça a la forme d'une... couronne, il me semble. Le reste, ce que vous avez piqué au Ventempour, j'en ai que faire. Vous avez volé des pièces, des joyaux ou que sais-je, je... ce n'est pas mon problème. Est-ce que je peux interrompre ? J'utilise main de mage. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller... Alors, quand tu commences à vouloir utiliser main de mage, tu sens que tu es physiquement bloqué. Alors, que tu as énormément de mal à te déplacer... Moi, j'ai une question. Est-ce que tout ça peut venir de du brouillard qui nous entoure ? Ça pourrait être lié. Tu sais que ce brouillard arrive dans la ville, mais là, c'est vrai qu'il est particulièrement. Est-ce que tu peux faire une détection de magie pour savoir, parce que si c'est le cas, je peux dissiper le brouillard en fait. Tout à fait. C'est ce que j'allais proposer en plus. Je vais lancer une détection du mal et du bien. Tu ne veux pas discuter avant ? Alors tu peux décrire le sort peut-être ? Bien sûr. Pour nos amis viewers. Pendant toute la durée du sort, vous savez s'il y a une aberration, un céleste, un élémentaire, une fée, un fielon ou un mort-vivant dans un rayon de 9 mètres autour de vous, et vous savez précisément où il se trouve. De même, vous savez si un lieu ou un objet situé dans un rayon de 9 mètres a été consacré ou profané. Le sort ignore la plupart des obstacles, il ne peut pas franchir 30 cm de pierre, de métal, ordinaire. Ok. Quand tu lances ton sort, tu arrives difficilement à le lancer, mais malgré tout, tu arrives à le lancer. Il n'y a pas de fielon ou de choses comme ça dans les environs, il y a juste un objet qui, toi, te semble évident maintenant que tu y penses, c'est l'amulette, ou en tout cas la pierre qui tient dans ses mains. Et tu ne sais pas si ça a été profané ou consacré. En revanche, tu sais que cette pierre a été altérée pour arriver à faire ce qu'il est en train de faire à votre groupe. Kirkis, cette personne tient un objet qui me paraît bizarre, peut-être maudit, enchanté. Est-ce que tu pourrais... Ah, vous parlez de ça ? C'est juste une sécurité pour vous laisser, pour vous bloquer. On peut régler ça vraiment de manière simple. Je sais que l'un d'entre vous a un objet de mon culte qui a été volé par ces ordures de Ventempur et que nous voulions récupérer, mais malheureusement, les bains ont disparu. Pourquoi autant de précautions ? Je me permets... Pourquoi autant de précautions ? C'est parce que, j'imagine que, ayant vu sortir un tiflin avec ses sabots d'une vague de poussière lorsque mes hommes sont arrivés, et que je vois cette personne avec votre groupe... Vous voulez me fouiller ? Je préfère pas vous toucher. Je préfère que l'objet vienne de vous. Je peux vous montrer ce que j'ai dans mon sac, j'ai pas ce dont vous parlez. C'est à moi d'en juger, truc là ou pas juger, non, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de dire que j'ai potentiellement volé quelque chose. Non, je dis que vous faites partie du groupe qui a potentiellement volé un objet qui nous est. Et donc dans ce cas-là, je vous propose de regarder dans mon sac. Il claque des doigts. Il regarde un de ses hommes. Il s'approche sans mal, lui pour le coup, de toi. Vous êtes sûr que je peux vous fouiller, monsieur le Tiflin ? Écoutez, si j'ai l'objet dont vous parlez, on est d'accord que vous recherchez qu'un seul objet, là ? Un seul objet. Une couronne. Mm-hmm.
Et si vous trouvez d'autres objets sur moi Je ne suis pas un voleur, monsieur. Nous, on va bien récupérer un objet qui nous a été volé. On va faire l'inventaire, je vais te le dire. Dites à voix ce qu'il a sur lui. Oui, et dites-le bien fort. Donc, l'homme commence à ouvrir ton sac. Ouais. Il fouille, il te tâte un peu. Pas aussi sensuellement que Kirkis, mais voilà, il est là. Moi, et en fait, et pour le coup, tu le vois. Ça n'a pas l'air d'être un voleur, parce qu'il n'a pas l'air de faire des petites techniques pour fouiller ou quoi, mais il regarde et il regarde ce qui semble être son chef en haut des tonneaux et il lui fait un signe. Et il retourne un peu en arrière. Visiblement, ce n'est pas vous. Je crois qu'il y a un homme qui pourrait être celui que vous recherchez, monsieur. Ah, dites-moi. Un grand gaillard avec une grosse massue, ça vous dit rien? Ça me dit quelque chose, mais il n'est pas ici. Oui, il n'était pas ici. Je peux vous dire qu'on l'a croisé juste avant qu'on sorte. On le connaît. Ouais. Mortlock. Ouais. Oui, il nous cherche, donc on sait qu'il existe. Ouais, bah je crois que c'est ce gaillard-là qui a votre objet. Là. Je sais que l'objet est ici. Non, mais c'est bon, arrêtez tout, parce que... C'est moi qui l'ai pris dans un coffre. Ah c'est bon, bon, je l'ai. Ok, d'accord. Qu'est-ce que t'as pris? Il s'avère qu'on est sorti des bains. Ce grand gaillard nous a dit qu'on pouvait aller se servir dans ses coffres et j'ai trouvé cette couronne. Je comptais la vendre pour faire un peu d'argent. Et tu ne sais pas je vous en parler. Je vous la rends avec plaisir, monsieur. Il fait la même manip que précédemment pour venir te fouiller. Il y a un homme qui se dirige vers toi, qui commence à fouiller tes affaires et effectivement, il sort une couronne. Avec des effigies de dragons parsemées de pierres de différentes couleurs. Et l'homme se dirige vers son chef. Il prend la couronne. Il commence à regarder. Vous voyez un sourire qui s'esquisse sur l'homme en haut des tonneaux. Et juste au moment où il allait parler, peut-être pour potentiellement vous remercier, un énorme fracas vient derrière vous. Vous avez juste le temps un peu de vous dégager de cette pierre qui semble s'éteindre. Et vous voyez une énorme, comment dire, explosion. Quelqu'un vient de traverser le mur de bois qui était derrière vous. Oh. Et dans la brume, vous voyez une immense masse, un énorme humain avec une pagaie ou peut-être une batte qui est en train de savater une personne qui vient de traverser le mur. Et dans la brume, qui se dissipe à force des coups, qui très vite, vous comprenez que la personne est morte depuis peut-être un petit moment, vous voyez Mortlock. Il y a voilà, pour décrire Mortlock, pour vous le rappeler, c'est un grand gaillard de plusieurs mètres, avec le crâne chauve, la moitié du visage cramé. Il semble un peu bossu. Il semble qu'il a pris plusieurs dommages collatéraux, peut-être dû à la traversée d'un mur. Et il commence à cracher des bouts de bois du mur. Et il regarde comme ça dans la brume. Il fait hey, mais je vous reconnais, vous avez une nouvelle amie, vous. Justement, je vous cherchais, j'ai cru que les cultistes, ils voulaient vous. Vous y gouillez, vu que je vous en dois une, et il commence à partir sur des cultistes, il en attrape un, et vous voyez qu'il lui met des gros coups, il commence à en savater, et les cultistes s'en vont. Vous voyez que le chef, lui, se barre, il saute. Assez... Alors, le truc qui vous paraît étrange, c'est qu'il saute extrêmement haut, et qu'il arrive sur un toit, et qu'il commence à partir. Est-ce qu'à ce moment, on peut toujours pas. Là, vous pouvez bouger. Ah, bah, on peut jouer à la fête alors. Au moment où l'homme est parti, la chape de plomb qui était sur vous semble s'être dissipée. Est-ce qu'on peut le rattraper? Ça va être difficile. C'est même quasiment impossible pour être honnête. Okay. Il y avait trois tocards, un qui se fait battre par Mortlock, un qui saute. Il y avait quatre. Un qui saute, les deux sur les côtés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont barrés. Il en reste un qui est en train de se faire mandaler par Mortlock. Moi, je peux éventuellement me changer en corbeau et le suivre, en fait, mais pour comme ça, on ne le perd pas de vue. C'est pas faux. Bonne idée. Après, en corbeau, je ne verrai rien, quoi, à part lui piquer les yeux. L'information. Ouais, tu des infos. Mais par contre, ouais, comme ça, au moins, si vous ne me perdez pas de vue, vous pouvez savoir que je tourne autour de. Et avec message, on peut communiquer. Ouais. On l'a lancé là ou c'est automatique? Moi je l'envoie au bout d'un moment. D'accord. Je te l'envoie dans une minute, je te l'envoie. Ok, on peut faire ça? Donc tu te transformes en corbeau. Ouais. Tu commences à t'envoler, à essayer de suivre la personne et en fait, au bout d'un moment, très distinctement, elle semble s'évaporer. Comme une brume. C'était une cutscene. Non, pour le coup, en fait, vraiment, tu sens qu'il a provoqué quelque chose. De ton expérience, évidemment, tu vois qu'il a dû activer. Quelques artefacts ou quelque chose, et il semble disparaître dans la brume, de toit en toit. T'as beau chercher au bout d'un moment, tu vois juste un des cultistes qui était avec lui, qui l'accompagnait, qui se barre, et qui après disparaît également, mais qui met beaucoup plus de temps que le chef à s'évaporer. Ok, bah je reviens, je me pose, et je vais rester en corbeau, sur ton épaule, voilà. Je me chie pas dessus, hein. Mortlock est en train de terminer. En fait, vous voyez qu'à force des claques, la nuque semble s'être brisée, donc la tête est plus un punching ball. Il lâche le corps et il vient vers vous tout content. Il est couvert de sang, vous voyez qu'il pue, il est vraiment, mais il est dégueulasse.
Et il vient vers toi, Al, il fait « Oh, mais t'as un corbeau, vous avez une nouvelle amie, un corbeau !» Ouais, 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 c'est mon pote. C'est mais ça va, les cultistes, ils vous ont pas... Parce qu'apparemment, il y a un de vous qui leur a pris des trucs de l'endroit où je vous avais dit de prendre des choses. Ah ouais. Et je me sentais un peu... Bah c'est sympa d'être revenu. C'est gentil. Bon, par contre, ils ont repris le truc, hein. Hein oui, ouais, oui. Mais bon, ouais, tant que vous êtes vivant, ça me va, vous m'avez épargné. Vous saviez ce que c'était ? Moi, d'accord. Je savais qu'il y avait des coffres après. Ça devait quand même avoir une sacrée importance. Et j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi t'en as pas parlé, mon cher Aventure. Al était bien au courant, c'était dans le contenu des coffres qu'on a volés. Enfin, qu'on a volés. Non, mais vous deux, on va faire un bilan comptable. Hein, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas sortis de là-dedans, les poches vides. Donc, moi, je te dois absolument rien. Donc, bilan comptable, tu te les gardes avec notre copain. J'ai risqué ma vie, moi, pour prendre ce qu'il y avait dans ces coffres. Oui, mais bon, ça te regarde que toi. Hein. Ah ouais, bah alors. On t'a jamais forcé. Hein. Et bah, ce que j'ai pris dans le coffre, ça me regarde que moi alors. Bah, disons que t'as des dettes, apparemment. On est une équipe. Ouais. Je t'ai filé 20 pièces d'or. On est une famille. On est une famille, bordel. Eh ben, les familles, ça se demande pas de quoi. C'est nos pièces d'or. Bon, déjà, vous êtes une famille un peu plus sympa que la mienne, hein, visiblement. Vous avez pas un frère qui a essayé de vous zigouiller. C'est vrai, ça. Oui. Dites-moi, on cherche votre frère, justement. Vous nous avez aiguillé vers lui et... Il est la lanterne, ouais, je pense. Bah, juste, enfin, après, je pensais pas vous trouver en aussi bonne santé, mais je pensais me diriger et lui régler son compte aussi, donc. Vous pourriez nous aider à le voir ou il vous a, vous êtes un petit peu comme ça là. On est comme ça depuis très longtemps. Ah. Mais je pensais aller à la lanterne et si je peux rentrer, bon, je suis pas très, on me connaît là-bas. Hein. Voilà, j'ai vous voyez sur ma tronche. Donc si je peux rentrer, je rentre, je savate sa tronche. Mais on va éviter pour la discrétion. Non, ouais, je suis pas tout de suite, Morlock. Merci. In-game, mais... il est à peu près 21h. Je peux peut-être lui parler aussi, discuter. C'est quelque chose qui se fait. Oui, oui, et tu vois, quand il parle, il retire des bouts de bois qu'il a dans les dents. Il fait oui, quoi oui. Il commence à cracher un peu de sang. Oui, bah, on peut lui parler. J'essaie de lui parler, mais à chaque fois, il. Il est plutôt comment, votre frère ? Parlez-nous de lui. Il est sournois. Ah. Il est tout maigre, il a une petite barbichette, il a les cheveux, il prend très soin de ses cheveux. Ouais. Les cheveux noirs. Bon, moi, j'ai pas ce problème. Mais, ouais, ouais, je vois. Et il dirige un truc là-bas, il m'en a jamais trop parlé. Il fait ses petites affaires avec ma mère, vu que c'est son préféré. Bah, une petite affaire, un truc, j'en sais rien, il prête de l'argent ou il... En lien avec les trois funestes ? J'en ai aucune idée, mon petit cornu, j'en ai aucune idée. T'es familier ? Bon bah de toute façon on allait tous dans la même direction. Tu penses que c'est une bonne idée que Mortlock nous accompagne ? En fait pendant que vous êtes en train de discuter, lui s'est mis dans un coin, il est en train d'essayer d'enlever du sang, des débris qu'il a, il enlève ça. On va avoir un problème de discrétion. Ouais. Oui. Oui, d'accord. Alors, qui va lui dire qu'il vient pas avec nous ? Je peux peut-être discuter avec lui. Ah, c'est porté volontaire. Ah, y a pas de problème. Allez, allez-y. Elle a des talents de persuasion, je pense. Essayons. Comment là, il vous fait dos. Il est en train de retirer un semblant de chemise qu'il a. Et tu vois qu'il est dans son dos. Il semble avoir soit subi des sévices ou vraiment avoir vécu des attaques. Mais il est criblé de cicatrices de partout, de brûlures. Et tu vois qu'il est en train de ruminer. Il est en train d'essayer de tresser un vêtement qui voit qu'il y a du sang qui coule dans les rainures des pavés qui pavent la rue. Et il n'a pas l'air de savoir que tu t'approches, il est plutôt en train d'essayer de déstorer son vêtement. Mm-hmm. Je m'approche doucement et j'essaie de discuter avec lui en déjà faisant remarquer qu'il a l'air fatigué, que c'est un grand gaillard et qu'il a l'air de s'être durement battu et qu'on le remercie beaucoup pour ça, parce que sans lui ça n'aurait pas été pareil, on ne serait sûrement pas sortis. Mais on a beaucoup de choses à faire et c'est un endroit un peu privé et malheureusement, à cause de cet accoutrement, cela pourrait porter préjudice à nos affaires. Tu peux faire un test de perception avec avantage, s'il te plaît. Persuasion ? Oui, persuasion. Elle parle bien, quand même. Ouais. C'est une sorcière, je le savais. J'ai dit perception ? Persuasion, excusez-moi. Donc, avantage, tu peux lancer deux fois les dés. Ah oui. Heureusement. Ah, c'est mieux. Donc ton bonus, en plus de son score. Faut bien que tu l'annonces, s'il te plaît. Perception, c'est ça ? Oui, perception. Non, persuasion. Persuasion. Persuasion, persuasion pardon. Alors 12 plus 6. Donc... Très bien. Ah, mais dis donc. Bien. Il fait... C'est vrai que j'ai pas de belle chemise, en plus. Donc, ils vont pas me laisser rentrer. J'ai pas de belle chemise. Et puis bon, j'ai du sang partout. Oui, c'est chemise. Et puis bon, la dernière fois, on m'a dit que je faisais tanguer le bateau, donc... Vous êtes très bien. Vous non, êtes mais parfait. Mais je vous accompagne, problème. Mais je reste devant la lanterne. Si jamais vous arrive une bricole, ça m'embêterait qu'il vous arrive une bricole. Vous serez notre gardien de loin. Bah, avec grand plaisir. Et
Merde. Il jette le truc, il tape dans un tonneau, il commence à s'énerver qu'on ait le tonneau, il fait bon bah quand vous voulez, hein, moi je suis prêt. Et il reste littéralement un pantalon en toile qui est complètement abîmé. Et ça, son énorme. Alors, c'est, quand je vous dis une pagaie ou un gros bout de bois, c'est imaginez plutôt une batte de criquet assez conséquente. Du coup, il restera de loin. Et si on a un problème. On peut l'appeler, oui. Mais ça, pas trop dur à convaincre. J'ai certains talents que vous n'avez sûrement pas ici. Ah ouais, mais se calmer, dis donc, Réo. Elle juge déjà. Moi, pendant qu'on va marcher, je vais me mettre à côté justement de lui et parler technique de combat à main nue. Voir un peu les différentes pratiques qu'il a. Peut-être qu'il y a des choses à m'apprendre sur l'anatomie d'un humain. Calmons-nous quand même. Moi, j'ai une technique qui s'appelle les 1000 baffes. Ah. Et généralement, après, j'entends un crack au bout de la 5-6e, puis j'ai gagné. Et on utilise les mêmes pratiques. J'ai un bout de bois, quoi. J'ai jamais d'armes. Je me suis blessé une fois avec un couteau et j'ai maintenant que du bois ou des poings. Rappelle-moi de ne jamais te vexer. T'as bien raison. Et on va faire le premier vote viewer. Ah, aïe aïe aïe. Mes chers viewers, c'est à votre tour de voter et d'influencer évidemment la partie et le scénar. Donc vous commencez à vous diriger à travers les ruelles. Mortlock en finale est même d'une bonne utilité parce qu'en fait il vous fait passer par des chemins de traverse, peut-être que même la plupart d'entre vous n'allez pas connaître. Alors lui quand il passe des fois il passe un peu de profil, il rentre un peu les épaules mais il arrive à passer. Et vous arrivez face à la lanterne assourdie que je vais laisser décrire par le narrateur. Vue de l'extérieur, la lanterne assourdie ressemble à n'importe quelle épave de navire trop téméraire pour s'approcher des côtes. Mais une fois à l'intérieur, on y découvre une taverne et des salles de jeu plus chaotiques encore que le champ de l'elfe. Les vagues et les remous rendent l'alcool encore plus difficile à ingurgiter. C'est pourquoi on n'y trouve généralement que des individus à l'estomac solide et des pirates. Beaucoup de pirates. J'ai perdu ma barre. La lanterne assourdie donc. Alors que pendant ce temps-là, évidemment... c'est un monster. Mais qu'est-ce que c'est que cette métamorphose? C'est mon sœur de rajeunissement. Il était pas J'ai pas entendu d'accord. Mais Brown, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est un corbeau. Faites comme si j'étais pas là. Non mais il est toujours un corbeau sur mon épaule, tout va bien. Juste besoin, excusez-moi, d'une info de régie, je suis désolé de vous... Ah, il se déplume, mais... Les on va profiter de cette diversion. Ok, très bien. C'est bon, Albus. Parfait. Ça marche, très bien. Et non, pas de pause, vous m'avez dit. Après. Ok. Je suis désolé. Hein. Pas de soucis. Donc la lanterne assourdie, effectivement, comme le narrateur l'a dit, un bateau qui semble ne plus voguer, mais juste rester là en termes de bâtiment, de taverne. Effectivement, vous constatez qu'il semble y avoir de l'animation, de la lumière à l'intérieur. Et il y a une personne, un jeune homme, en train de laver le pont quand vous arrivez. Les festivités semblent être à l'intérieur du bateau et pas sur le pont. Et il est en train de nettoyer des cadavres de mouettes qui sont empilés en dessous du mât principal. On est rentré là ? Vous êtes quasiment à rentrer. Tout le monde, filez-moi vos pièces. Quoi ? Vos pièces du poing enflammé. On sait que t'es un peu vos pièces, pas vos thunes. Donnez-moi vos pièces du jeton. Ah, nos jetons, mais exprime-toi mieux. Nos badges. Dis les termes, Roula. Dis les termes. Non, j'ai l'habitude de dire des pièces, excusez-moi. Filez-moi vos badges. Alors, elle a pas de badge, mais je te tends mon badge. Pas de badge ? J'ai pas de badge. Ok. Vous me les passez tous ? Moi, c'est fait. Très bien. Je prends tous les badges et j'essaye de les planquer dans vraiment un petit coup. Je les file à Mortlock. Qui attend devant. Il les prend dans sa grosse paluche. On te les confie pour le moment. Ça vaut quelque chose, ça ? Non, ça vaut rien. C'est pour notre enquête, mais on doit ne pas les avoir sur nous pour le moment. S'il te plaît, garde-les avec toi, mais je les récupère après. Mais j'ai pas de poche. T'es notre gardien, pense à ça. Il les garde dans ses mains, il fait « Bon, bah, j'attends-le, alors ». Il se met contre le mur et il joue avec. Il garde des pièces dans la. Tu les gardes, hein? Il joue avec. Oui, je les garde. Tu les gardes, hein? Oui, je les garde. Tu joues pas avec, hein? Bon, bah, il rattrape. Il dit, oui, bah, allez, j'attends, hein. J'attends. Ça se mange pas non plus. Ouais. Ah, bah, ça va, je suis pas con. Vous voulez que. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pas dit que t'étais con. Non. Je le regarde et je lui promets que s'il y a des festivités à l'intérieur, on viendra le chercher. Moi, je veux juste mon frère, hein?
Et tu pourras frère, t'appeler. Je mets une danse et puis. Hey, tu gardes les pièces, on chope le frère. Ok, ça marche. Merci, Martelot. Vous commencez à vous diriger vers le pont. Mmh. Effectivement, comme je vous ai dit, vous voyez un jeune homme en train d'essuyer du sang. Vous voyez qu'il y a un tas de cadavres de mouettes qui est juste en dessous le pont. Et ce pont semble être dominé par 2-3 corbeaux. Et mon cher Aventure, une petite voix intérieure a l'air de grogner en toi. Elle te dit, t'es vraiment aveugle, hein, tu vois rien du tout. Et tu sens un picotement dans tes yeux. Et en fait, tu vois les corbeaux partir en fumée, et c'est juste des petits diablotins qui semblent être agrippés au pont. Une mouette passe à côté d'eux. Donc vous voyez juste une mouette passer à côté des corbeaux. Et d'un seul coup, la mouette se faire déchiqueter et tomber au pied du jeune matelot. Donc toi, t'as juste vu le diablotin en fait mettre un coup à la mouette. Et vous voyez que le gamin, il commence à ramener le cadavre de la mouette, et vous voyez qu'il nettoie depuis un bon moment. Visiblement, il a plusieurs seaux à côté de lui. Et il semble pas vous avoir remarqué pour le moment. Les diablotins réagissent à ma présence ou Celui qui a attaqué, non, mais les autres, oui, vous regardent en fait. Ah, au groupe. Ouais. Ok. Et je peux interagir avec celui qui m'a parlé ou pas du tout? Tu peux tenter. Tu me feras un test de sagesse. Je vais discuter un tout petit peu avec lui, mais d'ailleurs, ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc attendez. Je fais ce test de sagesse, c'est ça? J'ai des nouveaux outils. Attendez. Voilà. Je suis content. Je dois faire le test de sagesse pour lui parler ça? Oui. Ok. 20. Naturel. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? On est chaud ce soir. Sa carte d'identité. Ah, oui, c'est... Contrôle aux frontières. Je présume que c'est celui avec qui j'ai signé, quoi. Et, comment ça? Non, mais oui, je sais. Et donc, je lui demande... Est-ce qu'il y a un de vos sujets dans ce bateau? Il y a... Ouais, il y en a un plus gros que moi là-dedans. Ah ouais? Donc fais gaffe. Du genre? Les diablotins, t'en mets 5-6, ils sont... C'est un truc avec des épines. Attendez, mais... Par contre, compte pas sur moi pour t'aider. Hein. Non, mais c'est un primordial? Non, c'est un comme moi avec des épines, mais je te dis, t'auras pas mon aide. Je viens de te filer un coup de main, à te montrer ce que tu voyais pas, espèce de débile, là, déjà, donc... Vous êtes quand même le juge suprême. Oui, bah, le juge suprême, il a autre chose à foutre. Donc, je t'ai déjà montré un truc, maintenant, tu te démerdes. Je sais pas, vous m'avez... Attendez, mais... Vous m'avez dit que vous étiez l'un des plus puissants. Oui, bah, le plus puissant, il a autre chose à foutre. Et donc, tu te démerdes, je viens de te montrer un... C'était évident que c'était pas des corbeaux. Pas des corbeaux qui déchiquent des mouettes. Mais non, mais d'accord, mais là, vous me dites que là... Il y en a un plus puissant. Non, vraiment, je bloque là-dessus. Non, là. Il est gros, parler tout seul. Oui, oui bah en fait, oui, vous voyez en train de ruminer. Ouais. Ils sont tous comme ça dans votre famille? Non, celui-là, c'est le plus bizarre. Moi, non, je suis normal. Quand je te dis gros, ouais. C'est genre, tu prends le diabotin, il est plus gros avec des épines, c'est un truc épineux. Ah, d'accord, okay. Juste les noms cornus. Bon, bah allez, vas-y, c'est bon, là. Et t'entends juste un acouphène. Ah, ok. Et tu te fais insulter par tes pouvoirs, quoi. Non, tout va bien. Comme si moi, les arbres m'insultaient. Il y a un chêne qui fait enculé. Je me baladais dans la forêt. Apparemment, il y a potentiellement une créature dangereuse à l'intérieur du bateau. Et comment vous le savez? je communique avec des entités de l'au-delà. C'est un médon. Je me demande si ça peut pas intéresser notre ami Paladin. Dans le film Ghost. Ouais. Oui. C'est la pièce de théâtre. Je suis un peu intrigué par tout ce que j'entends là. Mon cher Aventure, ouais. Pourrais-tu me dire ce qui se passe un petit peu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Je comment sens l'hérésie. I smell heresy. Ça sent comme une petite odeur diabolique là. Ça me plaît pas trop tout ça. Moi? Ouais. Bah oui, normal, il y a trois diablotins ont du mal là-haut. Tu vois des diablotins? Quand ils vous montrent pas bon, vous voyez juste des corbeaux. Ah oui, parce que nous on voit des corbeaux, mon cher Aventure. Ouais, c'est des diablotins. Remarque, en fait, ça explique peut-être les flammes qu'il croyait faire, mais que ça n'a pas marché. Hein. Oui. Et quand lui était en corbeau, tu voyais un diablotin aussi? Non. Non, je voyais juste un vieux sans cheveux. Ce que tu vas dire. Et quand tu reprends une gorgée de ce qu'on boit en bas, tu vois des diablotins aussi? Oui, bonne question. Oui, de temps en temps. D'accord. Ouais, je crois qu'on... Ok. Non, mais ne vous en faites pas. Hein. Je vous le dis, il y a potentiellement un grand danger dans ce bateau. Ok, il y a un gros corbeau dans le bateau, après. C'est pas un vrai mage, hein, vous pouvez le dire. Non, pas du tout. C'est pas... Tu nous sur le CV, toi. C'est pas vrai, tu t'es trompé. Hein.
C'est pas les pièces de théâtre ici, on est des vrais aventuriers. Hein, ça. Même si lui, il fait un peu la comédie là-bas, avec des pipeaux, mais... Je vous ai juste dit qu'il y avait potentiellement un grand danger. J'ai pas dit que, attention, nous allons devoir combattre... Tu peux dire, il y a un grand danger d'un bateau, avec ton accent comme ça. C'est rigolo. Il y a... Vas-y. Il y a un grand danger dans ma tour. Dans un bateau. Il n'y a pas le texte. Non, j'ai pas compris. Non, mais je vous aiderai pour les cours de théâtre, pas de problème. Oui, merci. Bon. Alors, pendant que vous discutez... Il y a déjà eu 2-3 mouettes qui se sont fait déchiqueter. C'est quoi le grand danger? Mais et là, regardez les 3 corbeaux, vous pensez que c'est pas des diabrotins? Mais nous, on voit des corbeaux, bordel! Mais oui, ouvre tes yeux! Il y en a pas un qui a une arbalète pour en décoller? Rentrez dans l'auberge et bordel. Alors, quand vous commencez à parler à forte voix, il y a le gamin qui vous voit. Une arbalète? Et qui fait: mais je viens de vous entendre l'idée de l'arbalète. Faites-le. Enfin, moi, de quoi l'arbalète? Ah bon? Si vous pouvez zigouiller ces trucs, moi j'ai une vieille serpillère, vous croyez que je peux lancer ma Midéria est prête à en dégommer un arbalète, allons-y. Ah mais, vous savez, pourquoi vous servir d'une arbalète pour tuer des corbeaux, c'est quoi ces conneries là? C'est d'accord avec Dirk Kiss, bordel. Attendez, Midéria est un peu gêné, mais il vous dit, si vous faites dégager ces corbeaux, je peux potentiellement vous aider sur 2-3 trucs dans la lanterne. Des boissons, des trucs. Venons-en au fait. Des filles. Il n'y a pas trop de belles filles. Oh là là, mais pourquoi? Désolé, c'est pas vrai. Non, mais il n'y a pas trop de belles filles. Qu'est-ce que c'est que cette aventure? On se balade dans les gymnases, il y en a marre quoi. Vous savez vous servir d'une arbalète? Se servir est un grand mot, mais j'en ai une. Oui. Ah. Oui. Voilà. Moi j'en ai bien une aussi. Hein. On peut essayer d'en shooter. Vous voyez pas de problème qu'on shoot des corbeaux hein. Mais il n'y a pas de corbeaux. Techniquement, c'est moi qui devrais avoir quelque chose à foutre et j'en ai rien à cirer. Ah, enfin, je veux dire, des diablotins. Oui. Des diablotins, il n'y a pas de problème. Ah, okay. Allons-y alors. Hein des diables, mais c'est des corbeaux. Mais c'est pas des corbeaux, non, c'est des diablotins. Bon, tirez sur les diablotins. Mais à quelle heure vous avez vu des corbeaux déchiqueter des mouettes pareilles? Je connais ce genre de... Non mais c'est comme quand personne. Il dit c'est de l'eau, c'est pas de l'eau. Oui, oui. En fait. Non, mais allez, trop bien. Oui. On a passé beaucoup de temps sur ça. Aussi, hein. Oui, oui. Allons-y. Soyez synchro par contre, hein, pour pas qu'il s'envole. On synchronise avec Midéria pour tous les deux envoyer un carreau d'arbalète. Okay. Sur chacun un diablotin différent. Ok. Faites donc. Par contre toi tu bois pas. Oui. T'as assez bu pour ce soir. Mais j'ai pas bu. C'est la première fois que je vois un nain bourré moi. Ah, oui. Moi je pensais qu'il tenait la route quand même. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. 17. Ok. 12 plus 5. Tu fais un test aussi, s'il te plaît, Midéria. Je vais le faire, mais je vais le refaire. Ah, j'ai pas entendu le résultat, c'est pour ça. 8. Ok. Il y a le corbeau que tu vises qui se prend le carreau et qui semble. Alors, tu pourrais penser que normalement, avec le carreau que tu lui as mis, il était censé mourir. Et visiblement, il bat d'une aile bizarrement. Il a l'air de voler bizarrement, comme s'il battait pas vraiment des ailes. Tu fais pas les dégâts? Non, c'est juste qu'il l'a pris et qu'il semble juste se barrer. Au vu du carreau d'arbalète. Ok. Et toi, ton carreau passe à côté des deux autres corbeaux et il vous fixe vraiment du regard et il s'envole. Ouais. Ça a marché? J'ai pas eu le hit marker. C'est bizarre. Ouais. Ok. C'est ce qu'on voulait, et non? Le troisième, il fait quoi? En tout cas, un truc que t'as noté, c'est qu'il n'y a pas eu de sang. Une seule goutte de sang. Ouais, non, ils sont pas clairs, ces corbeaux. Des corbeaux. Moi, ce que je note, c'est qu'à l'arbalète, elle est pas ouf. Donc, elle a un autre talent caché. J'avais prévenu. Je note. J'avais prévenu. Ah, vous avez essayé au moins. Le troisième, le truc. Le gamin, il est content. Non. Vous voyez qu'il lâche sa serpillère. Il fait bon, je vous en dois une. Je vous en dois une si je peux vous avoir un peu de boisson gratos. À manger et à boire. Écoute, bah, rentrez avec moi et je m'en occupe. Et les filles. Mais il y en a pas. Même moche. Il y en a pas. Le plaisir de l'amour. Il y a des filles moches. Yakis. C'est pas moi de juger, mais moi je trouve que la capitaine n'est pas très belle. La capitaine? Oui, c'est elle qui gère l'établissement. Ah ouais, ok. On l'appelle la capitaine. Vous la connaissez bien? Bah, elle m'a engagé à la base pour servir des gens et ça fait une semaine que je nettoie son pont, donc... Ça vaut le coup. Oui, c'est comme vous dites. Attends, petit. Et là, je la... Une petite seconde, on revient tout de suite, d'accord? Non, mais bah, pire, moi je rentre et je vous attends... Non, attends-nous là, ok? D'accord, elle a l'air... D'accord, ok. Une seconde. Et là, je me retourne vers le groupe. Je peux peut-être essayer de me déguiser comme le gamin et essayer de voir à quoi ressemble la capitaine, ce qui se passe à l'intérieur. Le gamin, il va nous la montrer, la capitaine. Ben oui. Ouais, mais la capitaine va se méfier en nous voyant tous d'un coup. On a qu'à y aller tout seul. Enfin, on a qu'à renvoyer l'elfe, là, ou je sais pas quoi, ce que c'est, là. Une chèvre. La chèvre. Ah si, mais vraiment de plus en plus présent. Oh, et encore. Je croyais qu'on s'était mis d'accord que t'arrêtais avec ça.
T'es là depuis. Toi, tu t'en es avec les nains, c'est pareil. Mais, ouais. mais c'est pas ton problème. C'est un compagnon, c'est la famille. Bref. Mes amis, calmons-nous et essayons la solution de ce cher Hal. Non. Ben non. Pourquoi pas Non, non, mais je vois que j'ai qu'un seul support dans ce groupe. Non, moi je suis d'accord. Juste parce que l'autre, je l'aime pas. Alors. Qui ça? L'autre. Et qui l'autre? Celui qui sent fort. Et vous savez quoi? Lequel? Sous la barbe. Je sens que mon idée est peut-être un peu trop complexe pour certains. Dis tout de suite qu'on est abruti. On te suit, gamin. On te suit. Donc vous ouvrez la porte qui mène à l'étage inférieur donc de la lanterne assourdie. Vous arrivez dans un lieu qui est bruyant, où il y a pas mal de personnes qui jouent, qui boivent. C'est essentiellement une clientèle humaine et vous arrivez à discerner quelques halflins ou quelques autres espèces qui peuplent la région. Ils sont pour la plupart bien alcoolisés. Certains sont en train de jouer aux dés, aux cartes. Beaucoup de marins que vous arrivez à discerner comme étant des marins, plutôt parlons de pirates. Et il y a immédiatement, dès que vous arrivez en fait au bas des escaliers, vous voyez un homme lourdement armé qui est face à une porte. Et tout de suite après, quand vous faites demi-tour, vous avez cette grande salle où les gens sont en train de jouer, de boire. Vous voyez qu'il y a également un bar qui semble bien fourni. Et le gamin tire tes vêtements, Hal, et il dit « Ah bah venez, je vais vous servir directement. L'autre poilu, là, il va me laisser. » Il commence à te tirer, à t'emmener en direction du bar. Un vrai passe-partout, ce gamin. Ah oui. Il arrive au niveau du bar. Il se met sur un des tabourets. À côté de lui, il y a un homme qui semble avoir eu un petit rejet, visiblement, de l'intérieur de son estomac sur le bar. Oh. Et il y a un halflin qui est en train de nettoyer le bar. Et l'enfant l'interpelle et lui dit « Autant, bon, c'est pour ma paye, mais ces gens m'ont aidé, donc donne-leur de quoi boire et de quoi grignoter. » Vous voyez, Autant, c'est un halflin avec une large moustache. Il a un monocle, vous savez pas pourquoi il le porte, parce qu'il est vraiment crade. Genre vraiment, on ne voit même pas son œil à travers. Il fait « Ah bah très bien, il n'y a plus de corbeau, génial !» Il commence à se diriger derrière et vous voyez qu'il ouvre quelques tonneaux, il vous sert des bières. Vous avez déjà vu des bières de meilleure qualité, on va dire. Ça se boit, mais c'est pas incroyable. Grumeaux, comme ça tu bois et tu manges en même temps. Et il vous sert une espèce de pâte qui se mange, vous voyez, tout le monde mange ses pâtes, c'est vraiment comme du pain, on dirait, mais c'est pas très bien cuit. De temps en temps, il y a des petites boules qui sont un peu carbonisées, mais ça se grignote. Des restes humains, bon, c'est ça? Comment? Des restes humains à l'intérieur? Non, c'est vraiment, ça sent le pain, il y a un peu de viande séchée, mais vous voyez qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de cuisine, en tout cas, parce que de vue de ce qu'il y a dans la pièce, c'est pas des plats, voilà, c'est vraiment des trucs qu'on grignote en buvant et qui servent sûrement à éponger. Donc bon, il vous sert. Eh ben on fait ripaille. Il est bon le pain. J'en ai mangé des meilleurs, mais bon, ça va nous sustenter. Vous allez pas manger à cause de ma barbe. Je mange mes propres poils. Maintenant, ok, je vais juste faire un tout petit truc avant. Vous allez tous me lancer un dé de 20, s'il vous plaît. Il dit pas quoi, attention. Chacun son tour ou tout en même temps? Chacun votre tour, s'il vous plaît. Ah, excuse-moi. Alors, ouais, Al, chacun son tour. Al. Oula. Attention, je lance. 3. Ah, ok, très bien. C'est incroyable. J'ai la trop mag. Aventure. 17. Très bien. Mon cher Trauma. On est sur un magnifique 2. Okay. J'ai la trauma, on l'avait dit. Pire que moi, on l'avait dit. Ok. L'alcool. À moi. J'ai pas peur. 7. Ok. Oh là là. Alors. Mon cher Hook, après ce sera Kirkis. 4. C'est quoi ça? Quelle ambiance! Je t'envoie une tape dans le dos, mais mon cher Hook, tu me fais plaisir, mon salaud! Ah bah oui! 2. Ah, ouais. Ah, ouais. Vous êtes tous bourrés! Coup... Genre, les rôles se sont totalement inversés. Sans Kirkis, c'est Hook par les épaules, j'en fous là, les gars! On est bien ensemble! C'est ton moment! Pourtant, c'est un des 20. Il y a un homme un peu tassé, un vieux, qui se dirige vers toi. Il a une toge où il y a plein d'objets brodés, enfin des symboles d'objets, des tasses, des chopes, des dés, des livres. Mmh. Et il te tire ton vêtement et il te dit « Eh mais, je me souviens de vous, je suis Ologma, le marchand. » Voilà. On s'était vu... On s'était vu avant que vous foutiez le bordel. Oui. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, j'ai toujours quelque chose à vous offrir, mais vous êtes parti. Je vous écoute. Et bah je vends des objets qui sont magiques. D'accord. Pas trop magiques selon certains, mais moi j'estime qu'ils sont magiques. D'accord. Et je vous invite juste à mettre 3 pièces.
sur les pièces que vous désirez, sur le bar, et je m'en ferai fi. Et vous aurez quelque chose en échange. C'est ma manière de marchander. Et un objet magique pour 3 pièces d'or, ça doit être de l'arnaque. Ouais, c'est cher. Hein. C'est de la dope, ça, non? Mais... Bah non, c'est pas cher. Ah si, 3 pièces d'or, c'est cher. Montrez-moi au moins un des objets avant. Alors, il met, lui, 3 pièces. Il met une pièce d'or, une pièce d'argent, une pièce de cuivre. Et, il prend la pièce de cuivre, il ouvre la main, et il y a un objet, une sorte de pierre, dans sa main à la place de la pièce de cuivre. Il la referme, il rouvre, il y a une pièce de cuivre, et il la remet, il récupère ses pièces. Vous mettez les pièces que vous voulez, hein, moi j'en prends qu'une seule. Mais en fait, pourquoi on prend pas lui comme magicien et on laisse Eventure vachement plus doué. Il est mieux lui. On prend gagner du fric avec dans le soir. Petit, je vais faire un petit test pour les autres. Vous allez me faire un test de sagesse. Mm-hmm. Et si vous faites au-dessus de 15, vous allez avoir une petite info. Chacun son tour. Vous pouvez lancer en même temps, là, je veux juste l'info globale, c'est pas très grave. Sagesse, 11, 13-1. Il faut faire 9. Au-dessus de 15 si vous voulez avoir une info. Je suis sur 12. Ah, je suis sur 11. Personne faut au-dessus de 15? Non. 12. Ok. Vous me proposez un jeu, en fait, c'est ça? Oui, oui. Donc, je mets 3 pièces quoi, d'argent. Comme vous voulez, comme vous voulez. Non, Robert, donc, en fonction de la. Tu peux pas voir s'il triche. En plus, si c'est pour avoir des cale-portes, c'est pas très intéressant. Non, non. Faut que je perde. Eh bien, écoutez, donc je sors 3 pièces d'argent et je les mets. Ok. Vous me proposez quoi avec ça? Je regarde... Je garde la main sur les pièces, quand même. Il montre la pièce du milieu. D'accord. Je peux la prendre? Une pièce d'argent. Il prend la pièce d'argent, il rouvre la main, et il te fait apparaître une petite boîte de cuir qui semble être ouverte et ligotée avec une ficelle. Il fait « Tenez !» D'accord, je la prends. Il y a un truc que tu gagnes dans les parcs d'attractions. Il te glisse tes deux pièces. Prenez-les, j'en ai que faire. D'accord, j'ai récupéré. Si vous voulez des infos ou des trucs, ou juste boire un coup, moi je suis là-bas, je suis en train de boire un coup avec cet alflin. Et en fait, il te montre un alflin qui est dans un coin comme ça, avec vomi. Et il fait bon, bah allez, bonne soirée à vous. La prochaine fois, évitez de courir quand je viens vous voir. Oui, nous étions occupés, nous avions un objectif. Voilà. Excusez-moi. C'est vos problèmes. C'est quoi votre petit nom? Olokba. Olokba? Olokba. A2L, et je crois que ça s'écrit O-G-M-A, mais vous savez, je suis vieux, j'ai pas un peu. Ouais. Et Olokba, qu'est-ce que vous faites pour des pièces d'or? Ah ben ça, c'est autre chose. Je sais pas. J'en sors 3 de ma pièce. J'en sors 3 de ma bourse. Et je fais fête. Il saisit celle de gauche. Mmh. Il la rouvre. Mmh. Et en fait, il y a une toge qui apparaît dans sa main. Oh. Ah ouais. Il la donne. Une et toge. Dit ça. C'est mon vêtement parapluie. Ça permet de parer la pluie. Reprenez vos pièces. Bon, bonne soirée à vous. On peut remettre des pièces à l'infini. Et il part, boire un coup. Donc il a perdu une pièce d'or. Ouais. Petit. Je me permets, j'ouvre. Pardon. Tu vas juste me faire un test. Tu vas me faire un test de perception. Et toi aussi, tu vas me faire un test de perception. J'adore. Attends. Test de perception réussi? Encore j'ai fait 7. Et ton test de perception, Hook? S'il te plaît. 10. Vous voyez juste partir en direction du Alflin, il semble remettre son vêtement. On va se laisser là pour une petite pause. D'accord. Oh déjà! Ah, ça va vite, hein, ça passe trop vite. Déjà la pause, c'est terrible. Ça passe tellement vite. Qu'est-ce que tu t'es fait rouler? Non, il a un vêtement parapluie, c'est trop bien. Ouais. On va être mouillé. On va attendre qu'il pleuve.